commencer la soirée sans sommier. Ce soir, on va éclater tout avant notre départ. On casse tout. On arrange toutes les chaises, on va tout casser. Les Kouyatés ont été des griots, des troubadours qui parlent la musique, qui parlent ce qui s'est passé hier. Partout dans le monde, vous demandez tous les djembéfola du monde comment vous appelez. Ils vous diront jamais Kouyaté. Je suis la seule personne Kouyaté qui joue le djembé. Parce que ça a été ma destinée. Mon père lui faisait le mamaya à Kouroussa. Il s'appelle Telenke Mamadi Molondé. J'ai commencé à travailler avec les balafonistes, les batteurs, on faisait le mamaya, le doudoum, les baptêmes. J'allais avec un vieux père, son âme, qui s'appelle vieux Bangali. Donc j'étais un petit batteur guinéen, j'ai joué avec le Bembeya, j'ai joué avec Keletri pendant 20 ans. J'étais le deuxième tubiste de l'Orchestre National Guinéen. Je suis un jeune qui est vieux. Mais un vieux qui est jeune aussi. Je suis la première personne dans en Afrique d'introduire l'instrument traditionnel dans l'orchestre moderne. J'étais la première personne d'introduire le djembé dans l'orchestre. Travailler avec cette dame, ça fait 30 ans. Elle est Myriam Makeba, elle est venue en Guinée. Elle a demandé à Sékou Touré. Elle n'avait pas de batteur. Là, je veux avoir un bon batteur. Sékou Touré a dit, je te donne le plus grand batteur. Ça fait 30 ans maintenant, je travaille avec elle. Pour moi, Dieu m'a donné quelque chose, je le joue. Et quand je joue, je ne jouerai pas comme un Cubain ou un Guinéen qui joue au village, non. Moi, je joue un truc hors chose, qui n'a rien à voir avec les autres. C'est-à-dire, je ne joue pas pour jouer, je joue, je parle. Parce que j'ai un passé, je me suis dit, j'ai perdu mes études pour ça. Il faut faire ça bien pour être apprécié des hommes. De quelque chose que nous n'avons pas pu exploiter. C'est ça la réalité. C'est pas pour rien que tout le monde se jette sur le djembé. C'est parce que le djembé, la musique, tout ce qui est rythmique, ça a de l'âme. C'est les médias qui ont fait la valeur des autres musiques. Ils écrasent toujours ce que l'Africain fait. Et l'Africain aussi s'écrase parce qu'il est complexé. Avec la télévision,
voyez, les gens, chacun veut se comporter comme un Américain ou un Français. Moi, je ne changerai jamais ma culture pour être Français ou être Américain. Je suis Guinéen, je reste Guinéen. Ce n'est pas la révolution proprement dit qui est intéressante ici. Ce qui est intéressant, c'est l'organisation que la révolution a mise en place. Avant, à la période, ça jouait au jardin de Guinée, ça jouait à la plage Béronne, partout ça jouait, il y avait la musique partout. Donc les gens n'ont pas le temps de s'occuper de la politique. Mais voyez, Guinée, aujourd'hui, tu parles de la politique parce qu'il n'a rien à faire. Tout le monde est devenu commerçant, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut que culturellement qu'on apaise, pour apaiser les hommes, c'est la culture. Donc la culture a beaucoup de valeur plus que le diamant et l'or. À l'époque, il n'y avait pas de militaires, il n'y a rien. Tout le monde chante, tout le monde joue. Vous avez des Amazones de Guinée, des femmes. Pour la première fois qu'ils jouaient, c'est l'orchestre féminin de Guinée, ça joue. Vous croyez que c'est des hommes? C'est pas autre chose. C'est l'émulation qui a créé tout ça. Alors, quand je vous parle de Kelletibi, de Bimbeya, de Bala à l'époque, quand ils venaient à Dakar ou à Bamako ou à Paris, là, c'était la musique africaine. La musique africaine, c'est là où le jazz est parti. Les Blacks, par leur souffrance, ils ont créé beaucoup de choses. Mais ils ne l'ont pas créé, ils sont partis avec. Par exemple, vous prenez Take Five. Je les connais. C'est pas compliqué. Tout est venu de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les artistes africains, qu'on comprenne qu'on n'a pas le complexe, qu'on est les meilleurs.